Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans les jardins du Sacré-Cœur, en compagnie de ma mère, Colette Julien, et nous allons vous faire découvrir Paris secret, Paris ésotérique, dont on parle beaucoup actuellement à travers certains livres. De très anciennes prophéties tibétaines ont toujours affirmé que la France allait devenir le Tibet de l'Europe. Au niveau de la capitale, le Sacré-Cœur a un rôle particulier à jouer, en ce sens qu'il focalise, qu'il incarne précisément les énergies du cœur, en relation avec le chakra cardiaque de l'homme et le chakra, je dirais, cardiaque. Sur le plan ésotérique, Notre-Dame est un des monuments les plus importants de Paris, en ce sens qu'au Moyen-Âge, toute une génération d'alchimistes en quête du grand œuvre, de la pierre philosophale, est venue s'abreuver de connaissances sur le fronton de cette cathédrale, car en effet, le fronton de cette cathédrale recèle de grands secrets d'ordre symbolique, allégorique et spirituel. L'un des plus célèbres alchimistes de cette époque, la présence d'une pyramide au Louvre a pu paraître incongrue il y a quelques années à peine. Or, à présent, tout le monde s'y est habitué, y compris les touristes étrangers. Il faut savoir que la présence d'une pyramide au Louvre ne résulte pas du tout du hasard. En effet, le personnage de François Mitterrand, qui, sur le plan politique pur, peut être contestable et contesté, a néanmoins servi d'instrument et nous a fait en quelque sorte un clin d'œil par rapport à l'Égypte, à savoir, sur le plan spirituel pur, sur le plan ésotérique, nous nous trouvons ici sur le point le plus important de la ville de Paris, à savoir l'obélisque de la place de la Concorde. Pourquoi précisément cet endroit? Pour en comprendre le sens, il faut se reporter 2 siècles en arrière. Nous nous trouvons dans le jardin des Tuileries. Derrière moi, vous pouvez identifier une statue un peu particulière qui comporte une iconographie, je dirais, très nettement égyptienne. Alors, bien entendu, la raison d'être de cette statue obéit à cette logique dont je vous parle, à savoir cette signature égyptienne sur la France et particulièrement sur sa capitale. Pour en rester sur le personnage de Napoléon,